Salut à tous, ici Boyas Nias pour une toute nouvelle vidéo Vide Grenier Live. It's me, Mario! Avec le cousin, cette fois-ci c'est lui qui conduit, c'est pas moi. Ouais. Ça en fait c'est le genre de truc que certains... Non, on va s'abstenir de dire des conneries comme ça. De bon matin. Ben là on va se faire un petit vide-grenier, on espère qu'on va trouver quelques petits trucs. On voit déjà les pompiers devant, donc ça a dû se prendre un coup de couteau pour du Super Nintendo. Non, non, c'est CRS. Ah, c'est CRS, encore mieux. Ça a dû se prendre un coup de couteau pour du Super Nintendo ou de la Neo Geo. Et ouais, on dirait. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, je vous dis à tout à l'heure l'équipe. Ciao. Vous en souhaitez 5 euros, c'est ça? 7. Hein? 7. Pas 5, 7. Non, c'est moi, ça a augmenté alors. C'est pas 5 à l'instant. Mais c'est ma faute, je sais pas moi, je ne sais pas les Non, tu peux pas. Ouais, je peux pas. C'est des jeux de sport. Si vous voulez 5, je me cède. Les acheteurs ont d'accord. Oui, la dame m'a dit 5 et après elle a monté à 7. C'est pour mais ça. Mais non, c'est parce que c'est pas à moi, moi. Je ah. Sais pas. Ah, vous voulez j'en voulais pas bien. C'est ma soeur, elle a dit 7. Non, je sais pas. Ah. On a chacune nos affaires, donc c'est ouais, compliqué, comme, on s'est senti comme d'un jeune, coup. Comme le jeune, il m'a dit 5, eh ben, c'est et ça. Et c'est ma faute. Non, il n'y a pas de souci. Madame, votre dernier prix serait combien? Ça serait 7 euros, je vais le vendre, je vais essayer, ça ne peut plus appartenir qu'il m'en parle. Ben oui, parce qu'on a tous eu ça plus jeune. À 5, vous me le laissez? Non, vraiment. Tout à l'heure, elle a dit 5, je l'aurais pris à 5 alors. Et oui, mais je sais, mais c'était pas à moi. Désolé. Merci. D'accord, c'est pas les sur la cartouche que vous m'avez dit? Non. Ceux-là, c'est qu'à la maison. Non, c'est à la maison. Ça va, ben on garde contact, on s'appelle okay. Alors. Merci, bon courage. Allez. Bonne journée. Au mois de décembre, le palais du jouet du jouet. D'accord. Et j'aimerais que tu viennes avec Axel. Ouais. Ouais, ouais, y a pas de souci. Hein. Ouais, non, c'est pas trop le genre oh, de non, jeu tiens, que je tiens, joue. Tiens, j'avais pris un truc pour toi. Ah, c'est pour, enfin, c'est pas pour moi. Non, ça. Mais tu as une ex à la con. Ouais, et ça, tu en as certaines qui est pas mal. D'accord, mais après ça c'est pour Rio, t'en veux ouais, combien je, sais. Je crois que tu les prends en temps normal à 5 euros le paquet, un truc comme ça. Ouais, non, je pense pas que tu les prends combien toi les ouais, 2-3 euros le paquet. File-moi 2 euros. Ah, je regarde avec le reste, mets-moi de côté, je regarde ouais, avec le reste, qu'est-ce que t'as. Si tu fais cher, tu passes dans ma vidéo. Ah, moi je fais cher, tu le sais, on peut se le dire. Mais quand je te pose des questions, est-ce que tu auras des affaires, je te dis non, il n'y aura pas d'affaires, c'est très bien que je fais le prix de la coque divisé par deux. Donc, et en plus, quand tu m'as posé la question. Celui-là, il vaut combien Lui, il vaut 50 euros en majorité au niveau ouais, sur de. Sur Play 1 Non, non, sur, PSP, PSP aussi. C'est l'anthologie, hein, c'est pas le normal. Hein. Tu sais, ouais, si ouais. Tu es sorti sur PS2. Et bah, toi, je te le fais à 20. Ah, le Lemmings, c'est celui-là que tu m'avais dit. Ouais, c'est mais que je l'ai déjà. Ouais. Ça me sert à rien de te le prendre. C'est le 1 que je cherche. Ah putain, le 1, j'aurais bien le trouvé même moi. Quoi. Et ouais, non, c'est le 1 que je cherche. Et c'est pas boule ça. Ah, c'est sympa. Ouais. Elle est pas la ligne. Je l'ai pas pris moi par contre. Bonjour. J'ai pas trouvé la ligne par contre. Après, ça c'est correct. Oui, je sais. J'ai vu. Alors, c'est lui, c'est pas lui. Je savais pas. Oui, j'ai un peu mieux. Je l'ai vu de loin. Doom. Possible, crash bandicoot 3, celui-là je l'ai. Oui, le truc qui est là c'est que mes doubles. C'est que tes doubles ouais, c'est que mes doubles. Et encore, il n'y a même pas tout mes doubles. Ah, j'imagine. Tu sais, je fais des vides greniers depuis tellement longtemps. Mes vêtements, c'est que du M et du L. À part les trucs qui ne pas. Celle-là, tu la laisses, ça va. Il n'y a pas de chargeur par contre. Tu as la cassette des ouais, trucs Super cool, Nintendo. Ça. Tu l'as trouvé la collection non. Tu as la même en version Donkey Kong de traîner quelque part. Ouais, Donkey Kong aussi. Ouais, c'est Gundam. Le chargeur est parti tout à l'heure. Je connais pas celui-là. Lequel Gita Roman.
Ah, de la musique. Les baskets, lesquelles? Les bleues. Les bleues, elles sont à 10 euros. Elles sont neuves, j'en ai Pit pas. Pit Fighter, le pire jeu qu'il y a. Regardez, je sais. Alors, les chaussures, c'est 40 et demi, les bleus. D'accord. Tu regardes. C'est pour moi. C'est la bête. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a aucun souci. Regarde, normalement, c'est une carte mémoire dedans. Il va voir une carte mémoire. Non, non, mais c'est pour toi, et t'as un jeu dans la console. Il y a un jeu qui a PES, je ne sais plus quelle génération. Oui, c'est volontaire. Attends, attends, je vais faire un cadeau à Boya pour sa fille. Moi, tu m'en fais des cadeaux à chaque fois. Tiens. Eh. Non, elle est trop petite, elle va le bouffer, t'es fou. Tu veux qu'elle meure étouffée, gars. Elle a quel âge? À 8, elle a même pas 2 ans. Ça fait un peu petit quand même. Je vais voir. Fais un tour. Ouais. Fais un tour, on est là toute la journée. Ouais, on a plus d'affinité. Et tu as vu ça par contre? Parce que je sais que t'aimes bien Star Wars toi aussi. Non, pas trop, moi c'est Conquerax, ça je le connais. Hein. Le Hasbro? Ouais, ouais, c'est Conquerax, vraiment c'est les trucs à. Il n'y a pas de chargeur qui va avec celui-ci. Un jeu, t'as pris que ça aujourd'hui? Hein? Un jeu, t'as pris que ça aujourd'hui? J'ai pris grand chose aujourd'hui, quoi. C'est un téléphone de machine de Nokia. C'est pas mal, c'est à 5 euros, je te le laisse. Bah, 2 allez, c'est. J'ai pas le chargeur donc. Par contre, c'est quoi comme chargeur? C'est un chargeur là, comme ça. Là-bas, classique. Hop, pardon. Ah, vous avez ça? Merci. Oui, ça. C'est joli, hein. GTA, tu as GTA 5 ici et tu as 22 GTA. Tu as vu Advance Wars 2? Non, GTA, attends. Il connaît pas moi les jeux, c'est du FIFA ou je sais pas. Ouais, il y a 9. C'est une clé 3 jours. FIFA, je. Ça, par contre, chérie, tu laisses pas là parce que s'il disparaît, je m'arrache une dent. Tu visais? Ça, c'est pour le chargeur pour la VTEC. Le GTA, il est là. Combien il fait? Tu veux faire combien? 1€, je pense. Tu fais combien de GTA? Je regarde ma. Mon VTEC à avoir pu faire ça. Ouais, mais là, combien? Tu veux faire combien? Lui, je le fais à 10€. Celui-ci, celui-ci. C'est bien, tiens, ça? Oui, ça, c'est les miens. Ouais. C'est 3€ les deux. Je dois combien? Fais attention, c'est disparu dedans. Chérie, t'as 3€, mon air? Oui. Ils disparaissent vite après. Ils les prennent. Ah, d'accord. Et là mais si. Pour ça, je regarde, c'est ça. Je vas-y, vas-y. Tu le vois pas. Tu me veux quoi? 3€. 3€, j'ai que des pièces de. Je sais pas si c'est l'Oméga. Je crois qu'il m'a donné l'Oméga, yo. Ouais, mais là. Je crois que c'est l'Oméga qu'il m'a donné. Non, il faut 17. C'est bon, j'ai 10. C'est bon, j'ai 10. Advance Wars 2. Et 2. Il est sympa à jouer, mais. Ah, tout à l'heure. Ah oui, c'est combien les baskets? Baskets, je l'ai fait à 10. Les bleus. C'est du 40 et demi, je crois. Excusez-moi, combien il fait? Madame, bonjour. Ça la dame. Avec des matins. Oui. Je vous demande. C'est bon qu'il y a ça. C'est pas qu'il marche avec une filmage. Il y a même pas l'alimentation, parce que l'alimentation, elle avait fait un chaton, c'est qu'on avait. Bonjour. Enfin, on est là. Voilà. Hop, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas d'autres de Pokémon? Non. Ouais. Peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Il les a pas apportés. D'accord. On n'a pas d'autres. Les Pet Shops, vous les faites combien? C'est 20 centimes. 20 centimes. Celui-là aussi, non? Ah, c'est gentil, le Ronflex. Je te l'avais dit qu'on avait le Ronflex. Ouais, des fois dessous, mais bon, ouais, c'est. Ouais, non, tout petit. Ouais, ça, c'est les Teletubbies. Quand j'étais petit, hein, mon petit frère, il regardait ça. Allez, après, tu dis toi, pas ma femme, tu veux, mais la tienne. Ah, oui. Toi, regarde ton fils.
Oh, c'est bon, il en a assez. Bah, tu prends la cagette et tu le ramènes, il sera content. Ça, t'imagines, j'ai demandé à la dame, elle me regarde pour moi. C'est gentil déjà. Celui-là, peut-être, je sais pas. Non, c'est un petit chop, ça. C'est pour ça que je me disais, j'ai déjà vu sa tête quelque part. Vas-y, vas-y, à tout à l'heure. Entre 3 et 6 ans ou quelque chose comme ça ? Non, c'est mon collègue qui collectionne les Pokémon. D'accord. Donc je lui prends. La carapuce, oui, je l'ai déjà pris à ma fille la semaine dernière et elle n'a pas voulu lui donner. Donc maintenant, il faut que je lui en retrouve une. Et j'ai de la chance de tomber dessus. Bonjour. Les livres, vous les faites combien, s'il vous plaît ? Ça dépend lesquels. Les petits livres de manga, Marvel. Cela, c'est 2 euros pièce. Les grosses. D'accord, merci. Si vous en prenez plusieurs. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour. Vous vendez combien le jeu, s'il vous plaît ? 2 euros le jeu ? Oui, c'est cher. Débarrassé. Oui, tant que vous, ça vous fasse plaisir et moi aussi. Il manque un disque. Je sais pas. Il manque un disque, vous pensez ? Oui, parce que c'est monsieur qui regarde tout à l'heure, mais je fais pas attention. Ah ouais, il doit en manquer un. Ça traîne dans les caves, c'est ça. Bon. Oui, non, c'est sûr qu'après, je vais regarder. Si vous intéressez, tenez. Ouais, des fois, on peut retrouver le disque tout seul sur Internet, voilà, si vous savez. Voilà. Tout se retrouve dans la vie. Voilà. C'est moi, quand mon fils. Bonjour. Je peux regarder les jeux, s'il vous plaît ? Oui. Parce que c'est dur à voir. Oui, mais j'ai senti. Hey. C'est une super belle peluche Mario là-bas. Les prix sont devant, ouais, pour ça. Oui, oui, j'ai vu 1 centime, 5 centimes en fer et 50 centimes la boîte. Hop, merci. Et le prix, c'est 1,50. T'as vu, j'ai travaillé ça. Et c'est pas marqué derrière ? Non, non, c'est marqué dedans, j'ai vérifié. Ah, c'est souvent, c'est là sur la notice. Aucune idée. Par contre, le sac entier de... Oui. Vous le prenez ? Oui, oui, celui-là, je le prends, pardon. Excusez-moi. Comme ça, vous pouvez le reposer. Les Power Rangers, le sac entier, vous le ferez combien ? En modèle moyen et petit. Alors, je sais pas. À peu près, ne vous cassez pas la tête après si vous ressortez c'est tout. C'est pas moi. Donc, ah, il faut que je. Ah, vous amusez alors. C'est comme les POG, la boîte entière, vous la faites combien ? 50 centimes la boîte. 50 centimes la boîte ? Ouais. Ça va. Je vais lui prendre les pommes avec ça. Ben, je vais vous prendre déjà ça, au moins c'est sûr. 50 et 1,50, c'est ça le jeu ? C'est 50 ? Oui, c'est ça. Ça fait 2 au moins, je vous donne 2 déjà. Et ça ? Alors celui-là il est à 2. Ouais, c'est la voiture. Après c'est vraiment un ordre de prix, vous savez pas. Je ne les ai pas comptés. Hein. Et ouais. Après, si c'est pour payer le même nombre que ce qu'il y a, écoutez, si je prends l'eau, c'est pour avoir une. Oui, il faut que je vois combien il y en a en tout. Hein. Puis je vous fais un prix, s'il vous plaît. Je suis bien que David il a trouvé ce jeu, je le cherche depuis un moment. Hein. Bonjour. Les cartes Pokémon, vous les faites combien, s'il vous plaît ? On les fait 5 euros tout le lot. Ça va. Oui, oui, c'est surtout qu'il n'y a pas d'énergie, c'est ça que le petit, il en a beaucoup déjà. Le petit grand U11, il en a déjà beaucoup. Est-ce que tu peux faire, Jade, c'est continuer à sortir ce qu'il y a dans les sacs. Si je vous propose 4 pour les deux lots, c'est bon ? Oui. Ça va, merci.
Bonjour. 5 euros. 5 euros. Votre dernier prix pour la figurine serait combien? Ah, c'est, vous la connaissez, hein, elle est super, c'est une figurine rare, super rare, non, quand même. Mais... Ben, hier j'ai cherché, j'ai mis 2 heures avant de le... Vous savez comment il s'appelle le personnage? Vous savez comment il s'appelle le personnage? Je l'avais noté, je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle? Je l'ai trouvé hier. J'attends de savoir si monsieur le sait. Parce que pour chercher quelque chose, il faut le nom. Oui, mais je... Sans nom, Mais c'est en cherchant, justement. Bon, il fait 35-38 euros, hein. Oui, neuf peut-être. Voilà, oui, un magasin. Non, d'occasion. Hein. Mais comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Comment vous avez pu savoir quelque chose si vous n'avez pas le nom? Parce que je ne me rappelle plus. Il s'appelle, je vais vous dire. Je l'avais noté justement, mais j'ai oublié le papier. Parce que sans nom de l'objet, c'est dur à trouver le prix, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est en cherchant que c'est marqué possible. Que j'ai trouvé le nom. D'accord. Mais je n'ai pas trouvé ni dans eBay, ni dans Delcamp, tout ça. Vous avez dans cher? Quoi? eBay. Oui, non, eBay, je connais, mais l'autre. Voilà, Delcamp, je ne sais pas, je pas. Le site comme eBay. D'accord. C'est le même. Le Delcamp. D-E-L-C-A-M-P-E. D'accord. Et je n'en ai pas trouvé. Jack, mais il a un autre nom, c'est. Je ne sais plus quoi. Mais demande-lui au monsieur. Attends pas. Non, ça c'est ce qu'ils ont créé l'objet. Voilà, mais en tapant ça, j'ai trouvé le nom. Et en plus, 2004. Ouais, non, ce matin j'en ai trouvé une de 89. Ouais. J'ai trouvé le nom. Mais ça vaut pas grand chose, faut pas croire. Ouais. Dès que c'est vieux, c'est pas obligatoirement que ça vaut quelque chose. Ouais, certaines sûr. Choses, oui. Ben certaines ouais. autres choses, non. Après ça, si vous en propose 3 euros, ça vous va? Bon, je regarde, je vais le mettre sur. Comme vous voulez. Bon, ouais. Merci. Bon courage. Merci. Bonjour. Vous la vendez combien, s'il vous plaît? Je demande où elle est partie cette année. Oui, il n'y a pas de souci. Mars. Ça aussi, c'est beau. Official League. Oui. Bonjour. Bonjour. La Bart, vous la faites combien? 1 euro. Et celle-ci? Ça, 5 euros. J'aurais dû faire l'inverse. 1 euro, 5 euros. Elle est jolie. 16 ans, oui. Elle est encore trop petite. Elle vibre. C'était un gel douche. Ah voilà, parce que on dirait qu'il y a de l'eau dedans. Touche, tu vas voir. Je vais vous le prendre pour 1 euro. Ma femme me jettera, mais... Salut à tous, ici Boyas Nes pour le compte-rendu du vide-grenier du dimanche... 16-8, ouais, 8 décembre. 8 décembre, non, 8 octobre. Donc on va faire pas trop de bruit, parce que la petite dort normalement. Donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai payé ce petit gel 3DS pour la somme de 2 euros. Ça me permettra de faire de l'échange, c'est le Nintendo Cats. Donc voilà, c'est franchement juste pour l'échange. Ça me permettra de récupérer, normalement je vais me prendre une manette PS4. J'en ai qu'une seule et quand mon neveu ou mon cousin il vient, quand je joue, ben, il n'y en a qu'une. Donc là ça me permettra d'en avoir une deuxième. J'ai chopé pour le million de yeux un petit paquet de cartes. Il doit en avoir une trentaine, voire quarantaine. Pour la somme de 3 euros. Après, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, ils sont très propres les cartes. Et également pour la somme de 20 centimes, un petit Léviator. Lui, je sais que ça lui fera plaisir. Et... Le plus sympa, c'est que la semaine prochaine, samedi prochain, il vient Yo. Donc la semaine prochaine, vous aurez un gros live avec l'ami Yo 11 Yo. Pas le dimanche, parce que le dimanche, il travaille, mais le samedi. Une petite boîte payée 1 euro également. C'était 20 centimes, mais il y avait ces 3 cartes avec pour 1 euro. Magnézone, ouais, mais après elle est dans un sale état. Une Dracolos et un Lanturne.
comme vous le souhaitez. Ensuite, oula. Shameless, gros. La série Shameless. Pas mieux. Shameless US. Donc, deux autres paquets de cartes. Voilà, franchement, il doit en avoir peut-être, je sais pas, 100-150 pour la somme de 4€. J'ai trouvé ça plutôt utile. Mon neveu récupérera quelques cartes et Yurunzio en récupérera d'autres. Donc samedi, il fera le tri de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Yurunzio et mon neveu récupérera le reste. Il sera bien content. Un paquet rempli de POG. Ça me rappelle quand j'étais petit à l'école, quand je jouais au POG. Je vais vous en montrer 2-3 qui sont plutôt sympathiques. Hop, on va se rapprocher un peu. Voilà, des petits DBZ, c'est plutôt sympathique. Là, une autre DBZ. Il y en a pas mal. Voilà, le paquet c'est rempli, il y a 2-3 cartes qui sont restées dedans de Pokémon. La caisse comme ça, 50 centimes. Donc ça va, c'est pas excessif. Le Seigneur des Agneaux, la Terre du Milieu, encore un. Celui-ci a la notice, donc a le code. 1,50€, je ne suis pas fait prier, je l'ai pris. À une personne qui vendait également des peluches Pokémon, par contre, c'est un sale état, ils sont vraiment pourris. Tiens, Ronflex, petite dédicace Ronflex. Après, un petit Dracaufeu qui est pas mal. Je crois que celui-là, c'est Tétard. Ou Tétard, je sais pas si c'est l'évolution. C'est Tétard. Il y en a un qui est plutôt joli. Hop. Un petit Pikachu. La personne les faisait 50 centimes pièce. J'en ai pris 7, ça fait 3,50€. C'est pas excessif. Il y a la petite carapute. Ah non, carapuce, pardon. Là, les yeux sont défoncés par contre, Miskina, celui-là. Donc il y avait ça, les petites figurines pour Avengers. En fait, tous les prix étaient chiquités dessus. J'ai demandé le carton complet, elle m'a dit 5€. J'ai pris. Je sais que j'ai des collègues qui collectionnent les vieilles figurines comme ça. Donc ça fera toujours de l'échange. À la même personne, j'ai pris également des Pet Shops. Ça me permettra de faire de l'échange avec l'ami Vito Bologna sur Facebook, Vito & Co sur eBay, qui me permet de récupérer pas mal de petits jeux sympathiques. Cette semaine, j'ai récupéré par exemple à l'échange un petit Thunder Force 4. Qui ira à l'ami Francisco du Grenier qui normalement devrait venir samedi prochain. Il m'a demandé de lui garder. Ça me permettra de faire de l'échange avec lui également. Dans le même vide grenier, pour la somme de la personne a voulu 2€ pièce, je lui ai proposé 3€ les deux. Il m'a dit oui. Le construction que je ne connais pas, qui n'est peut-être pas très courant en français. Donc je le garde pour l'échange avec quelqu'un qui fait un full set PS1. Je sais qu'il y en a pas mal. J'ai pris le Oddworld, l'Exode Day, parce qu'il est vraiment nickel. Par contre, malheureusement, il manque le CD2. Mais bon, il y a la notice, il y a la petite carte pré-vente. Je crois que c'était une pré-vente. Hop. Ah non, petite commande des touches. Donc c'est plutôt sympathique. Par contre, il me manque le CD2. Donc celui-ci, je pense que je trouverai quelqu'un qui aura un CD2 en loose pour le compléter. En fin de journée, j'ai trouvé un petit Buzz Quiz sur la PS3 pour la somme de 1,50€, ce qui est plutôt convenable. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop souvent, donc ça me permet de le rentrer. Par contre, il me manque une pièce, je ne sais pas c'est laquelle, mais il m'en manque une. Donc voilà, petite trouvaille pour 1,50€, ça fait des bonnes soirées entre collègues. Également un petit jeu 3DS, les mystères cachés à Paris pour la somme de 2€. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a écrit erreur d'étiquetage, cette cartouche contient bien le jeu les mystères cachés à Paris. Alors sur la cartouche, l'étiquette s'écrit les mystères à Amsterdam. Donc ça sera peut-être pour l'ami Francisco, ça c'est vrai que c'est vraiment pas courant les erreurs d'étiquetage, donc c'est plutôt sympa. Je le garde pour l'ami Francisco quand il viendra samedi prochain. Ah, petite fleur. Bon, je suis désolé, on va essayer de finir rapidement parce que la petite s'est réveillée, il est presque 10h, donc c'est vrai que je veux pas trop qu'elle reste éveillée parce qu'il faudrait qu'elle dorme quand même. Donc je vais vous présenter les deux meilleurs trucs que j'ai chopé aujourd'hui. Hop. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais mis un avant-première, le petit Boschak de l'OAV. Donc pour la somme de 4€, vous avez dû le voir dans le live, la personne m'a fait bien rire. Il me dit ça vaut 40€ sur internet. Je lui demande ok, ça va, pas de soucis, ça vaut 40, si tu le dis, je veux bien te croire. Mais comment la personne s'appelle? Parce que si tu trouves le prix, c'est que tu sais le nom. Tu peux pas trouver quelque chose à part en tapant DBZ, tu peux pas trouver le nom de quelque chose comme ça, c'est pas possible. Alors vraiment il faut que tu aies du cul. Donc il savait vraiment pas le nom, il m'a dit quand même ça vaut 40€. Et en fait il m'avait dit le nom c'est Kazushina. Kazushina c'est écrit sous le pied. Donc il a payé quand même 4€ au lieu de 5, il n'a pas voulu négocier à 3. Bon, ça va, c'est pas grave.
Et on finit, enfin on finit, non, j'ai trouvé également un beau Sangoku, enfin la tête elle est fragada, de 1989. Franchement, pour la somme de 5 euros, bon, elle n'a pas voulu négocier. Mais bon, 5 euros, je l'ai pris. C'était vraiment la première trouvaille de la journée en plus. Donc voilà, pour 5 euros, je l'ai pris. Et on va finir par le meilleur lot que je remercie l'ami Jonathan. Jonathan, alias Jonathan C. À qui j'ai fait un échange que j'avais trouvé le Worms la semaine dernière. Donc en échange, il m'a filé. Il est où ? Le Lemmings 2. Alors j'ai regardé, je l'ai pris surtout pour la boîte. Il faut que je regarde si le mien est en meilleur état ou pas. Et le moins bon état ira à l'échange, bien entendu, celui-ci est complet. Donc un échange, hop, ça m'a fait plutôt plaisir, et lui aussi. Et j'ai acheté tout ça chez lui, enfin acheté non, parce qu'il m'a offert la petite VHS Donkey Kong Country, le reportage sur le développement du jeu sur Super Nintendo. Donc je suis vraiment très très content, ça va vraiment rentrer dans ma collection. Je suis vraiment extrêmement content pour la pièce. Une deuxième VHS Super Nintendo. Celle-ci, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Ça devait être sûrement... Il n'y a pas beaucoup de bandes, donc ça doit être, des previews de ventes de jeux qui devaient sortir ultérieurement. Donc je suis vraiment content. Ça me fait deux belles petites VHS pour la Super Nintendo. J'ai pris également un petit Star Wars qui était vraiment plus que propre sur la Master System. C'est vraiment des jeux Master System, c'est ce qu'on trouve de moins en moins. C'est vrai que ça a peut-être très 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 mal vieilli. Donc on en trouve pas très souvent et encore moins complet en vide-grenier. J'ai pris également le petit Metal Slug Anthology pour l'ami Baba. Je sais que la PSP c'est vraiment son délire, c'est vraiment son truc. Et le Metal Slug Anthology comporte le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5. Waouh! Ça en fait quand même. Donc je sais que ça l'intéressera toujours pour un petit échange. L'ami Baba m'a déjà contacté la semaine dernière pour d'autres petits jeux. Il devrait me récupérer quelques petits jeux à l'échange. Et on va finir par la meilleure pièce que je suis vraiment content, mais alors vraiment content de rentrer parce que ça fait très 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 longtemps que je le recherche. C'est un petit Crash Bandicoot en Black Label sur PS1. Donc il est vraiment complet. Par contre, une petite chose, peut-être que c'est pas la bonne démo. La démo s'appelle M6 PlayStation Best of Kid of the Kid Demo. Donc il y a la notice, il y a le CD. J'ai pas regardé l'état, mais normalement avec l'ami Joe, il est franchement nickel. Donc je suis vraiment plus que content. Donc voilà, peut-être que la démo c'est pas la bonne parce que devant il y a écrit Tekken 2, Wipeout, Destruction Derby, Monster Truck et Formula One. Donc peut-être c'est pas le bon, mais je crois que l'ami Conquerax m'a dit que peut-être qu'il aurait la démo, donc ça me permettra de la compléter. Tout ce que je vous ai présenté en jeu m'est revenu pour la somme de 40 euros. Donc même l'ami Jo m'a dit rien que celui-ci c'est 40 euros. Donc je te fais un prix d'ami et franchement c'est plus que sympathique de sa part. Et en plus, j'allais oublier, il m'a offert un petit paquet de cartes. Il m'a dit je sais que tu récupères les cartes. Ouh, elle est jolie en plus. Il m'avait dit qu'il y avait une belle carte. Une Simia Brax niveau X. Ouais, elle n'est pas en très 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 bon état. Il m'avait dit il y a une belle carte, tu vas voir. Je lui ai dit, ben franchement, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pour la Mio. Moi, je récupère pour la Mio et pour des petits paquets de cartes comme ça, il met 2-3 bannes maxi. Il m'a dit, vu tout ce que tu m'as pris, je te l'offre. Et c'est vraiment plus que gentil de sa part. En tout cas, ce vide-grenier a été plus que constructif. J'ai été très, très, très content. J'ai tourné avec mon cousin. On a croisé Conquerax également. Il nous a montré un peu ses trouvailles qui ont été peut-être un peu plus maigres. Il a trouvé le petit Sonic sur Dreamcast, donc il s'est fait vraiment plaisir. Un jeu qu'il recherchait depuis pas mal de temps d'après ses dires. J'ai regardé sa vidéo et c'est vrai que ça lui a fait extrêmement plaisir de le trouver. Des fois il suffit d'une pièce. Ben voilà, aujourd'hui j'ai loupé une pièce que je recherchais vraiment depuis longtemps d'un abonné qui l'a trouvé devant moi. Donc David, je te passe le coucou. Tu sais que la prochaine fois que tu le trouves, tu peux me le proposer à l'échange et je te trouverai ce que tu souhaites. C'est vrai que je recherche la Duology, ouais. Le jeu Ico et Shadow of Colossus sur PS3, l'ensemble il a trouvé sur un stand derrière moi. Je venais de passer devant la personne, elle déballait quelques trucs, j'ai pas demandé comme ça. C'est vrai que des fois je demande s'ils ont un peu des jeux. Là non, elle déballait des jouets, des trucs comme ça, c'était dans une école. Et en fait, j'étais en train de négocier les figurines Power Rangers. Il m'a tapé sur le dos, il m'a dit regarde Boya ce que j'ai trouvé. Ah oh, putain, je lui ai dit mais où c'est que t'as trouvé ça? Il m'a dit juste le stand derrière toi. Et en fait, le temps que j'efface la petite boucle, il y avait 3 personnes. Et en fait, il avait acheté, je sais pas le prix, il m'a pas dit, mais bon, franchement,
plus que content pour lui. Je sais que la prochaine fois qu'il trouve, ça sera une petite monnaie d'échange qu'on aura entre nous. Et je lui trouverai toujours quelque chose qu'il recherche pour sa collection. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit compte rendu, un petit live vidéo, il est plutôt sympa. Donc, commence à faire froid. Je commence à avoir mal à la gorge. Ce matin, je vais peut-être attraper un peu la crève. J'espère que demain, ça ira mieux pour le boulot. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu des familles qui feront toujours plaisir. Le petit commentaire qui fait extrêmement plaisir, encore plus que le pouce bleu. Et n'oubliez pas, vous avez le Facebook, le Twitter, le Snapchat. Il n'y a pas d'Instagram. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao l'équipe. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas les FAQ sur ma page Facebook. Les liens sont dans la description. Ciao l'équipe. À bientôt pour une prochaine vidéo. It's me, Mario.